Coucou les cœurs créatifs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes d'humeur ou bricoleuses. On se retrouve pour le papillon du jeudi. Hop, 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 il s'est envolé. Le thème cette semaine, c'est les choses qui portent bonheur. Et comme dans le postulat de base, c'est plutôt monochrome, j'ai choisi notre petite amie la coccinelle. Et je vais faire un papillon rouge avec les super petits tampons. Du petit chat porte bonheur et good luck. Je vais aussi utiliser mon petit poinçon trèfle. Je vais voir ce que ça donne des trèfles rouges. On verra. J'espère que ça va faire joli. Je me dis, ouais, ça peut être sympa. Tout rouge et noir. Allez, c'est parti. On va commencer par la base. En rouge et noir, je porterai bonheur. Ah, je ne fais pas d'antenne puisque j'ai dans l'idée de mettre la tête du petit chat. Et c'est toujours du papier de la cartonnette de récup. En fait, je découpe toutes les coupes qui se font dans le même sens pour limiter les torsions de mon papier. Voilà, pour faire l'ancrage, et là, on va faire le petit message et le petit chat. J'ai fait une bêtise. Il a adhéré des deux côtés. Voilà. J'essaie de ne pas ranger de suite. Il paraît quand on met un petit coup de gomme, l'encre adhère plus. Je savais que j'avais frotté avec le doigt, ça avait marché aussi. On sent, et on ne veut pas trop appuyer parce que j'ai oublié d'essuyer le bord. Il n'est pas assez appuyé. Là, bon, chapillon. Là, on fait pareil. J'aime bien le côté un peu old. Non, ça je touche pas. Je prends toujours mon fer-fort à tisser à l'envers pour voir économiser le plus de papier possible. Non, mais là, ce serait peut-être bien de les
misère avec le tout petit truc. Allez, de les noircir un peu. Hop, ça, j'ai pas sorti ça, hop. Oh, c'est bon. J'ai commencé à ranger, mais j'ai pas fini. Est-ce que j'ai encore besoin de protection? Je crois pas. J'hésitais à dessiner. Mais j'ai fait tous les faits autour. Si je dessine, ce serait bien que je fasse tout le tour. Je vais juste mettre les gemstones. Bon, j'en ai qu'un seul au milieu, ça suffit pour faire l'effet. J'ai pas prévu de l'envoyer, donc pas besoin de renforcer, ça sera pas maltraité pendant le transport. J'hésite, symétrique ou pas symétrique? Ça fait un peu plus coccinelle avec un milieu, allez. Ah, j'ai pris mon petit coccinelle, je ne l'ai même pas mise. Hop là, je suis partie beaucoup trop loin. Voilà, Berk. Coccinelle et première et deux premières déco de scrap, j'ai acheté les petites coccinelles que j'aime trop. Et voilà les amis créatifs, je vais m'arrêter là sur mon thé papé en rouge et noir. J'espère que vous avez passé un agréable moment à bricoler avec moi, et si ça vous a inspiré, à vous de jouer.